Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Ces vers célèbres ne sont que la vision d'un poète, car si le ciel est bleu, la mer doit l'être aussi, et si elle ne l'est pas, c'est que l'eau n'est ni calme ni pure. L'eau de mer, quand elle est claire, peut être considérée comme un filtre bleu, d'autant plus sombre que l'on descend plus profond. Quant à la couleur apparente de la mer, elle dépend en plus de la couleur du ciel, de la couleur du fond, en particulier dans les lagons bleu turquoise des mers chaudes, de l'état de la surface, des matières en suspension, et enfin de la position de l'œil, un œil de préférence non daltonien. C'est une question de point de vue. Quand elle est calme, la surface agit comme un miroir pour quiconque se trouve juste au-dessus ou juste au-dessous. Quand le ciel est couvert sur la côte d'Azur, la baie des anges paraît aussi grise que la rade de Brest sous le crachin breton. Au coucher du soleil, en mer Noire, on voit la mer Rouge. Et en mer rouge la nuit, on voit la mer noire. Cela peut paraître paradoxal, et pourtant. Maintenant, si l'on regarde les choses de plus haut, on voit l'eau en transparence, sauf si les houles et les courants de marée ne viennent remuer le fond. Cela tant que l'on est près des côtes en eau peu profonde. Car au large, c'est différent. Au large, le bleu est le même dans toutes les mers du globe, ou presque. La mer du Nord est aussi bleue que la mer Égée quand le soleil brille dans un ciel sans nuages, et l'eau que l'on voit verte le long des côtes bretonnes, et celle qui était bleue quand le Gulf Stream l'a empruntée aux Antilles. Telle est la magie des couleurs qui se modifient, qui existent parfois sans qu'on les voit, et qui n'existent vraiment pour nos yeux de plongeurs que si nous les voyons sous une lumière artificielle. Combien de fois ai-je plongé dans des grottes sous-marines que les soleils marins n'atteignaient que faiblement La paroi triste prend sous le faisceau d'un projecteur des allures de camailleux insoupçonnées. Pourquoi, et surtout pour qui la nature a-t-elle étalé une telle palette de teintes différentes Difficile à trouver ailleurs que sous ces roches immergées. La profusion de teintes, chatoyantes de prime abord, finit par friser le mauvais goût. Je pourrais en dire autant de la robe de certains poissons tropicaux, mais je conçois que certains ne s'en lassent pas, ou du moins ne s'en soient pas encore lassés. Ces changements de teintes me ramènent au temps où j'étudiais la chimie. À la faculté des sciences de Marseille. Nous y avions coutume de dire La chimie mène à tout à condition d'en sortir. Je n'imaginais pas que ces mots étaient pour moi prophétiques. C'est en effet la chimie qui, en 1952, m'a amené à bord de la Calypso, alors amarrée cuaquée dans le vieux port de Marseille. Cousteau, qui me reçut sur la plage arrière, me demanda ce que je savais faire, et à ma réponse, rien, mais je sais un peu bricoler, il me proposa une semaine d'essai, semaine qui se prolongea plus de vingt ans. Vingt années au cours desquelles j'ai tout appris, ou presque. Le premier travail que Cousteau me confia, Fut la remise en état d'un appareil photo sous-marin, un FOCA en boîte étanche, couplé avec un boîtier contenant douze lampes flash magnésium. Un ensemble qu'il m'envoya essayer en faisant des photos de l'épave. C'était une épave antique âgée de 2000 ans, gisant à 40 mètres de fond, sur laquelle je descendais seul pour ma deuxième plongée. Je vous fais grâce des détails, mais voilà où m'avait amené la chimie à la photo sous-marine. Mais si l'on y réfléchit, la pellicule photo, c'est de la chimie, aussi bien le support que l'émulsion. La respiration, avec ou sans scaphandre, c'est de la biochimie, de même que le corps humain tout entier. Nous pourrions remplacer la phrase la chimie mène à tout, par... Tout ramène à la chimie. L'eau de mer n'est-elle pas une solution de chlorure de sodium dans un liquide appelé H2O Mais l'eau est autre chose aussi. Il y a dans la mer un je ne sais quoi qu'un plongeur, et seulement un plongeur peut sentir, et qu'une caméra ne peut que partiellement retranscrire sur un film. C'est pour éprouver cette sensation que tant d'hommes et de femmes embarquent sur des bateaux inconfortables, dans des mers parfois démontées, souffrent du mal de mer, plongent dans des eaux glacées, et sont quelquefois victimes d'accidents de décompression heureusement rares. J'ai moi-même découvert sous la calypso ce monde qui n'est pas silencieux comme on le dit, mais fluide, dense, bleu, dans lequel le plongeur, grâce à la poussée d'Archimède, se trouve comme en apesanteur. Mais si tout le corps est soumis à la pression, on peut se rendre compte seulement avec ses yeux de la présence de l'eau, de ce milieu dans lequel tout finit par s'estomper dans le bleu, comme un fantôme dans la brume. Voilà pourquoi j'ai peint sous la mer. Tout jeune, j'avais peint les paysages de ma Provence natale, les bords de l'étang de Berre, le vieux port de Marseille, sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, la sortie du port, l'entrée du port, le même lieu est pourtant de vues tout à fait différentes. La rade, le château d'If, les îles, la mer vue par-dessus, mais avant de l'attaquer par-dessous, il m'a fallu une douzaine d'années pour atteindre le point de non-retour. Le déclic s'est produit en octobre 1965 à la fin d'une expérience de plongée à saturation appelée Précontinent 3, au cours de laquelle j'avais passé trois semaines à 100 mètres de profondeur dans un habitat sous-marin avec cinq autres plongeurs. Pendant ces trois semaines, je ne fis qu'une seule photo. Une pause de 12 secondes, qui fut publiée en double page dans le National Geographic Magazine l'année suivante. À quelques heures de la remontée, j'étais seul à cent dix mètres, dans une belle lumière veloutée bleue venant de la surface, alors la certitude m'envahit que seule la peinture pourrait me permettre de restituer une telle ambiance. Quelque temps après, je me jetais à l'eau dans tous les sens du terme pour peindre ma première toile sous la mer. Le coup d'essai ne fut pas vraiment un coup de maître. Carlo ayant décollé les étiquettes des tubes, une certaine confusion s'ensuivit. Mais la technique reprit vite le dessus. La peinture à l'huile, car ce n'est pas de l'aquarelle comme certains le pensent, la peinture à l'huile n'adhère que si la toile a été protégée avant immersion par une couche de médium. Toile qu'il faut lester pour qu'elle accepte de rester au fond. Depuis longtemps, j'ai abandonné le chevalet qui gonfle et qui rouille. Je pose ma toile sur un rocher ou sur le sable, me tenant debout, à genoux ou à plat ventre. Quelques secondes me suffisent pour choisir le cadrage. Alors un tube me sert à dessiner les grandes lignes. Puis les couleurs, crachées à même la toile, sont étalées au couteau, mélangées, juxtaposées. Le couteau est d'un usage bien plus utile et efficace que les pinceaux. Un seul geste permet de couvrir une grande surface, car le temps presse à en plonger, il ne faut pas en perdre en gestes superflus. Les poissons sont-ils sensibles à la peinture eux qui ont sans cesse ces paysages sous les yeux Plus intéressés semblent être les dauphins qui aidés par des plongeuses ont posé pour moi à Eilat au sud d'Israël Dans une baie fermée par un filet des dauphins en semi-liberté étaient et sont probablement encore utilisé par un institut nommé Dolphin Reef dans un but à la fois touristique et thérapeutique avec certains résultats sur les enfants autistes mais j'ignore si les dauphins apprécient la peinture quant à ce baliste trop curieux il serait plutôt inquiet de me voir installé sur les lieux de sa ponte il a même voulu m'en chasser et m'aurait mordu le crâne si je n'avais pas eu une cagoule. J'ai fait le portrait d'un caméraman sous-marin qui venait de temps en temps filmer l'avancement de la toile. J'ai représenté l'ambiance d'une piscine et, au cours d'une émission de télévision que je ne nommerai pas, fait le portrait d'un trompettiste subaquatique. La toile terminée, je remballe mes outils et remonte en surface avec ou sans palier de décompression. Cela dépend du temps passé et de la profondeur atteinte. Une fois sur le pont, je rince à l'eau douce, puis viendront les retouches et la finition. Ces bleus impressionnistes, j'en ai exposé dans des caves ou des galeries, dans divers pays ou continents, devant des invités plus ou moins intéressés, mais la meilleure critique est celle du plongeur qui me dit, dans cette toile, je me sens au fond. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous commenter cette série de photos, de toiles, au cours des trente à quarante dernières années elles n'ont pas de titre seulement un numéro chacun y voit ce qu'il veut même des poissons que je n'y ai pas mis c'est comme dans l'auberge espagnole on y trouve ce qu'on y apporte peut-être un jour ne pourrai-je plus plonger c'est pourquoi j'ai déjà puisé dans la mer, source d'inspiration intarissable, des thèmes plus ou moins abstraits, et d'autres que j'appellerai curvilignes. Car la nature, qui dit-on, a horreur du vide, a surtout horreur de la ligne droite. Elle adore les courbes, depuis la voûte céleste jusqu'à la courbure des reins. L'univers entier est en rotation, et quand on voit tourner autour du Soleil toutes ces planètes, qui ont elles-mêmes des satellites en orbite, on ne peut nier que la courbe soit la règle d'or de la nature. C'est l'homme qui a inventé la ligne droite, arbitraire, artificielle. S'il a construit des voûtes romanes, il s'est inspiré de la nature. Et si cette dernière fabrique des cristaux aux arêtes rectilignes, c'est l'exception qui confirme la règle, comme est une exception dans les réalisations humaines, une voile gonflée par le vent. Et c'est la mer aussi qui a modelé la coque des bateaux sur ses vagues à l'instar des galets sur la plage. Demandez à un enfant de vous dessiner la surface de la mer vous obtiendrez une sinusoïde. Mais regardons un peu ce qui se passe sous cette surface. Là alors nous n'en finirions pas d'inventorier les espèces animales, cétacés, poissons, coquillages, céphalopodes, céphalopodes, céphalopodes. Non, ce n'est pas le disque qui est rayé céphalopodes, gastéropodes, etc., qui toutes ont des formes harmonieusement rationnelles, ou si vous préférez, rationnellement harmonieuses. Même l'homme finit par devenir élégant dans l'eau. Il ne faut pas oublier non plus le dessin humoristique dont la mer est un réservoir inépuisable. Ces dessins sont extraits d'un petit recueil que j'ai intitulé ⁇ Des lames de fond au fond de l'âme ⁇ Je vous en laisse décrypter les bulles avant qu'elles ne remontent en surface. Des requins, j'en ai photographié des dizaines. Mais, après avoir pris des milliers de photos, j'ai le sentiment d'avoir fait davantage du reportage que de la recherche artistique. Laquelle de ces deux photos préférez-vous Celle-là ou celle-ci Celle-ci ou celle-là Presque tous les plongeurs, découvrant avec extase la mer rouge, mitraille et obtiennent à peu près les mêmes résultats. Et ce, depuis un demi-siècle environ. Il suffit de regarder les expositions ou feuilleter des revues spécialisées pour s'en rendre compte. C'est bien exposé, c'est net, les couleurs sont belles, trop belles même parfois, mais on n'y voit pratiquement plus de bleu. Dans ce cas, par exemple, on pourrait arriver à un résultat identique en mettant hors de l'eau un poisson en caoutchouc sur un fond en carton-pâte coloré à souhait. Il faut préciser que la photo sous-marine se fait dans l'eau. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Pourtant, à mes yeux, l'important est de se rendre compte de la présence de l'eau. Encore lorsqu'un plongeur lâche ses bulles, on se sent dans la mer, surtout avec une pieuvre. Mais dans le cas contraire, sans bulles et sans bleu, où est donc passée l'eau Si je n'avais pas été présent ce jour-là, j'aurais des doutes. Les mammifères marins, comme cet éléphant de mer, n'émettent d'ordinaire pas de bulles en immersion. Mais dans le bleu, ils font tout de même bien vivants. Et lorsqu'ils plongent aussi profond que certains engins, comme ces petits sous-marins d'exploration, là où la lumière solaire ne pénètre jamais, c'en est fini du bleu, l'eau est noire comme la nuit, même avec des lampes. À propos de noir, le gros défaut de la pellicule est son incapacité à accepter les contrastes. Les parties sous-exposées deviennent noires, ou les parties surexposées deviennent blanches. Un flash peut apporter une aide à faible distance, mais elle est bien pauvre pour restituer les nuances que dans la pénombre l'œil humain arrive à déceler. D'ailleurs, le système objectif plus film peut-il concurrencer dans la vision l'ensemble œil plus cerveau humain, plus neurones, etc., jusqu'à la main du peintre. Un autre avantage de la peinture sur la photographie est de pouvoir élaguer, supprimer un détail gênant, comme un banc de poissons par exemple, de même qu'on peut gommer mentalement dans un vieux village l'affreux poteau télégraphique ou l'antenne parabolique. Ne croyez pas que je jette la pierre à la photo qui permet d'obtenir des effets plus qu'intéressants en jouant avec la technique, avec les idées pour capturer une sirène par exemple, avec des accessoires comme ce photographe et son appareil à souffler d'un autre âge. Chacun, dit-on, porte sa croix sur cette terre. Mais dans la mer, le plongeur ne porte pas sa croix, et de plus, c'est l'eau qui porte le plongeur. Quant au ski de fond, c'est sûrement moins dangereux que la descente dans le bleu. En somme, j'aime à la fois la peinture et la photographie. Ce sont les deux mamelles de l'expression artistique statique, qui, agrémentées d'une pincée d'invention, d'un zeste d'imagination et sans crainte des échecs, permettent de voir un homard thermidor. J'avais peint cette toile pour le Salon d'automne d'Albi 1989, dont le thème était évidemment la Révolution française. Et j'attire votre attention sur le gréement de la voile qui est tout à fait révolutionnaire. Pour un autre salon, j'avais emprunté à Toulouse l'Autrec, thème de ce salon, un de ses modèles favoris, la chanteuse Yvette Guilbert, que j'avais fait baigner à son insu dans une eau infestée de requins. On peut également regarder la mer au fond des yeux. La mer qui, comme chacun ne le sait pas, est la matrice de la vie. La mère qui a donné naissance à la terre. Mais qui donc peut prétendre à naître le Père